Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssey. Non, je rigole, c'est Origins, violence sans tuer. On continue toujours hein, à défoncer du bob et de se faire poutrer comme hier. Hier. Bah, wow. Oh non, je me refais. Ah ok, c'est bon. Ok, on a. Non, hier, on s'est... Enfin, hier, oui, quand je l'ai tourné, c'est hier, bien entendu. On s'est fait détruire comme ça possible. Se desideri sapere cosa ti attende, ritorna da me quando il tempo sarà giunto. Grazie. Tu t'es fait poutrer récemment? Oui, pourquoi? Parce que on le sait, c'est tout. Hein. C'est lequel qui est équipé? Donc celui-là j'en ai pas besoin du coup. En vrai la croix de vipère que je pourrais supprimer mais je vais quand même la garder. Juste parce qu'elle est trop cheat. Bah, par contre niveau 19, si j'améliore c'est 3000. J'ai 5000 gold. Oh. Ok. Aïe. Amore mio. Come ti senti? Molto meglio ora che sei qui. Il y a un hippo juste derrière nous. Prodigieux. C'è qualcosa di strano nel tuo sguardo. Che ti succede? Ho sognato nostro figlio. Bayek. La moglie del gran sacerdote è stata avvelenata. Il suo veggente crede che l'avvelenatore sia chi cerchiamo. La lucertola. Credo di sì. Il toro api è ormai in punto di morte. Andiamo al tempio. Lungo la strada mi parlerai dei tuoi sogni. Vieni, saremo più veloci in barca. Già, il bateau si è rapito. Allora. Ah oui, come ci si sente essere il Magi di tutto l'Egitto? È come provare a fermare le formiche a volte. Ma sono orgoglioso di aiutare il popolo. Anche io. E sono orgogliosa di servire la regina. Hai parlato con il gran sacerdote? Sì, in preparazione all'arrivo della regina. Verrà qui a Menfi? Sì. L'esiliata torna a farsi vedere nel cuore del vecchio Egitto. Il giovane Tolomeo non ne sarà felice. Vederti mi scalda il cuore, Bayek. Aya, sei tutto ciò che mi è rimasto. Ti voglio sempre al mio fianco. Sono vincolata al servizio della regina. E il nostro vincolo? È più importante che mai, ma sappiamo di cosa è capace l'ordine. Possiamo combatterlo restando insieme. Ho dato la mia parola alla regina. Cosa ha fatto lei per te che io non ho fatto? Spinge il mio sguardo fino all'orizzonte. Piangerò sempre la nostra perdita. Sempre. Ma abbiamo responsabilità che vanno al di là del dolore. Perché nessuna madre viva quello che ho dovuto vivere io. Quando ucciderò la lucertola? Quando l'avrai uccisa, lascerò Menfi. E allora ti seguirò. Andremo a caccia insieme, come un tempo. Hai parlato di sogni che ti preoccupano. Vuoi raccontarmi cosa hai visto? No. Non voglio turbare anche te. Un giorno dovrei... Da dove cominciamo? Va al recinto del Dio. Parlerò alle sacerdotesse. No, ma certo. A me il compito più ingrato. Ok. Donc là, il faut qu'on découvre la maladie. Qu'est-ce que c'est?
Par contre, le niveau 28, on va l'esquiver comme la peste. Hein. En vrai. Che rep, c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe? Hai nutrito tu il toro api? No. Sono le sacerdotesse a occuparsi di tutto. Ok. Sai dove tengono il suo mangime? In quel posto, vicino alle scale. Ma da quando il toro si è ammalato, lo tengono chiuso. Ti ringrazio. Donc. La malattia del toro forse è causata dal cibo. Donc là, il faut qu'on aille chercher il toro. Mi servono altre prove. Cibo per il toro. Il resto forse si trova in questo capanno. Ok. Noccioli di pesca. Se il toro api li ha mangiati, il motivo del suo male è chiaro. È questa collana. Una delle sacerdotesse gemelle ne indossa una simile. Scopriamo se all'altra manca qualcosa attorno al collo. Oh, interessante. Regardez, il y a un passage en dessous. What? La chance nous a abandonnés et nous devons trouver un autre moyen de vider la chambre funéraire. Nous en avons sorti quelques objets, mais en personne a pris ombrage de notre sacrilège. Le tombeau est rempli de cobras qui empêchent les intrus d'entrer et veillent sur le trésor. C'est à croire que les anciens pharaons eux-mêmes sont de retour. What? Mais non, c'est pas sérieux. Ah ouais, c'est chaud par contre. Ok, bon, bah on va continuer à descendre, je sais pas où on va. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok, donc là il y a une première sortie. Bon. Mais il y avait quoi de l'autre côté du coup? Ok, en plus. Ok, allez. Bon, voilà, on a vidé la zone. On a vu qu'il n'y avait plus rien. On va aller voir la. Un uomo gli serve l'acqua. Come pensavo. A una delle sacerdotesse manca la collana. Avete notato dei comportamenti sospetti? Sì, il contadino. Sono certa che il contadino che porta il grano abbia uno strano sguardo. Forse potresti interrogarlo. Interrogarlo? No.
Troverò il contadino e sarà la giustizia della mia lama a parlargli. Aspetta, non vuoi prima interrogarlo? Non serve. La condanna di chi si è promesso alle dee gemelle è sufficiente. Ha peccato contro il dio. Deve morire. Mia sorella è stata precipitosa. Potrebbe essere innocente. Eddie. Questo è un modo scaltro di avvelenare un animale. Sorelle mie, è stato un incidente, vero? Uno, forse, ma così tanti. Dovevamo salvare Pancrati! Ehi! Chi? Nostro fratello. I banditi lo hanno rapito mentre eravamo insieme al mercato. Là. Ci hanno costretti ad avvelenare il dio. Avrebbero dato nostro fratello in pasto ai coccodrilli. Non abbiamo chiuso occhio da allora. Mi dispiace molto. Non avevamo scelta. Noi non... Qualcosa non va. Non sono maledizioni. C'è l'ordine dietro a tutto questo. Eh bien, il est où le frangin? On va te le ramener, Noël, le frangin. T'inquiète. Tu me donnes 5 minutes. Et on va te le chercher, nous, le frangin. Bon, je vais essayer d'éviter de buter la moitié de la garnison qui est dans le temple, quand même. Parce que profaner des lieux sacrés, en général, ça apporte pas des bonnes choses, en général. Non, t'es où? Attendez. Ouais, casse-toi, tu gênes. C'est à peu près ça. Hein. Allez. Je vois qu'il y a du people en plus. On va bien se marrer. Moi qui vous le dire. Hey, cosa? Muori! Il est où? Il est où? Cosa? Suppongo di non poter avere un po' di vino, ma posso... Sei tu, Pancrati? Sì. Sì, alloga gli dèi per aver mandato un vero guerriero a salvarmi. Sei ferito. Ti riporto a casa. Attends. Tu me donnes 30 secondes? Je vais quand même libérer la prisonnière. Allez, casse-toi. On va y aller. Tu me donnes 2 minutes, hein. Oh, ils sont en train de pioncer. Nice. Là, c'est bien, vous voyez, t'arrives, tac tac. Allez, est-ce qu'on se finit par un petit coup de barbarie? Oh, mais non, mais. Mais jette-le! Mais pourquoi il le jette pas? Et zut. Pourquoi? Bon bah... C'est pas ce que je voulais. C'est fini, on a tout plié, super. Ok. Le temple oublié situé sous celui de Hathor est l'endroit idéal pour des
dévotion secrète. Depuis l'effondrement du plateau, nous avons accès à des salles où nous pouvons continuer à prier Sobek sans que le regard de Ptah pèse sur nous. Nous devons cependant continuer à explorer les ténèbres. Cela fait quelque temps que nous n'avons pas revu certains de nos prêtres. Peut-être sont-ils tombés sur des gardes. Ou peut-être qu'on s'en... Ben... Ah merde. Mais je m'en fous dessus, là. Il est juste en train de pisser le sang, celui-là, je m'en fiche, moi. Baba yetou yetou liyetou yetou 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 yetou. Et ils sont combien dans le temple? Ah, quand même. M'énerve ces gens là, toujours à se prendre pour des chefs là. Dimmi come ti hanno. Ok, petit passage sur le teco. Meglio non parlarne qui per strada. E queste ferite, inizio a sentirmi davvero debole. J'ai peur que mes blessures ne soient pas les bonnes. Imaginez, je suis en train de taper un sprint avec un mec sur le dos, c'est prodigieux. Regardez. C'est beau, hein. Il est mort? Non, il est juste en train de dormir. Questa è casa mia. Prima di entrare, dobbiamo parlare. Eh bien voilà. Preferisco che le mie sorelle non sappiano ogni dettaglio. Ma certo. L'uomo che ha voluto il mio rapimento è un sacerdote di Anubi al Grande Tempio. Uno dei sacerdoti di Pascherempta. Come lo trovo? Indossa una sciarpa blu e tossisce di continuo. E lei una sciarpa blu? So come trovarla. E lei una sciarpa blu? Pancrate! Sei ferito? Che cosa ti hanno fatto? Mi tenevano legato. Mi davano soltanto qualche crosta di pane secco. Allora? È opera della lucertola. Dovrò sporcarmi le mani con il sangue di un altro sacerdote. L'ordine è ovunque. Per salvare l'Egitto ucciderei anche un migliaio di sacerdoti. Va ancora tuer il prêtre? Mais non, mais sérieux. Siamo votati alla violenza. L'impression qu'on passe notre journée à buter des prêtres ici. E sempre. Tu fais quoi? Ah, je vais buter un prêtre, tiens. Alors que... Dobbiamo dirlo a Pascherempta. Donc je suis en train de mettre une veste alors que je suis dans le désert égyptien. Ho preparato dei cavalli. Tu veux ma chérie? Facciamo una gara come facevamo a Siwa? No, solo se hai voglia di perdere. Ma a parole te la cavi. Adesso vediamo i fatti. Sei lento! Che cosa si vince? Non lo saprai mai. Sei più lento di Ramset e lui è morto da un pezzo ormai. Ah, intéressant, Ramset c'est mort. Non puoi tenere quella velocità. Bah oui, logique. Vedremo. Ce qui est bien, quand on pourra aller fouiller les tombeaux de Ramset et compagnie. Più veloce, bestia forza, devo fargliela vedere. De toute façon, j'ai déjà gagné. Je suis sûr que ça. A quanto pare ho vinto io. Pare di sì. Ah, ognuno ha un punto debole. Già, il tuo è vincere con eleganza. Ma faiblesse, ma me dici. La regina sta per parlare. Andiamo ad ascoltarla. Per colpa loro, gli dei maledicono l'Egitto. Le esondazioni sono cessate, ma nel momento in cui la dea vivente salirà al trono, l'acqua risalirà ancora una volta.
con me. Menfi potrà brillare come un rubino al sole. Con me l'Egitto trionferà. Trionferà. Oui, non, en français on dit triomphera, et chez eux il dit triomphera. Oula. Oh là là. Oh, j'ai l'impression qu'on va devoir buter des archers là. Ah bah non, en fait. Oh, je suis déçu. T'as pas l'habitude de désinguer tout le monde. Devono sapere che la mia voce è quella della dea. Par contre, le Malabar, quand même, il se donne pas envie. Hein. Mia regina, il toro api continua a stare male? Abbiamo scoperto il motivo del suo male. È stato avvelenato. Chi è stato? Le sacerdotesse gemelle. Che siano bollite a morte nel toro di Falaride. Mia dea, no! Sono state costrette. Il fratello è stato rapito da un sacerdote di Anubi che aveva la tosse e una sciarpa blu. E Tepi! Ma è uno dei miei più fidati consiglieri. Chi rimane all'ombra di qualcuno è colui di cui bisogna dubitare. Se anche Tepi trama contro di me... Tua moglie e tuo figlio erano in pericolo, ma ora sono in salvo. Possiamo sistemare tutto. Donc on va s'occuper di Tepi. I sacerdoti di Anubi hanno in programma dei rituali al Grande Tempio. Avranno delle maschere. La mia lama sarà altrettanto efficace. No, Aya. Vado io. Non mi interessa chi ucciderà il sacerdote, che sia fatto prima della partenza per Heracleion. Heracleion? Aspetta. Heracleion, c'è la Crete? On va aller en Crete? Che il padre Ptanun infonda la sua forza nel tuo braccio. Oh, c'est beau. Donc ta. J'arrive pas à prononcer ta, ta, ta. Eh bien, on va buter le lézard. C'est parti. Blah. Le lézard, il va cramer. Je vais rien comprendre le lézard. Je vais arriver. Culte au tête de la barbarie, je vais lui latter les fesses. Quanti sacerdoti ha bisogno una città? Bon, bah, on va prendre le premier. Un altro sacerdote di Anubi. Un sacerdote di Anubi. Sarà Etepi. Agenta A. Setbine! Chi ha Setbine? Cerco. Etepi si nasconde tra i suoi fratelli. Obesner! Solo uno di questi sacerdoti merita la morte. Non posso sbagliare. Ah, il n'y a pas de passage par là. J'ai peut-être fait une connerie quand même. Vergogna uccidere una preda tanto facilmente. Anubi protegge il suo devoto. Un sacerdote di Anubi è morto. Date l'allarme. Vieni qui che ti ammazzo. Bon, ben voilà. Bon alors.
Sauvez les prêtres là. Il y a un gamin à côté. T'as pas honte quand même à côté d'un gamin sérieux. Ou alors. Via dalla strada. Non ce la fai. Eccoti qua. $2,50. Mais MDR, il s'est fait découper le machin. Ho fatto scorrere sangue innocente. Pagherò nel regno dei morti. Mais là il y en a beaucoup quand même. Hein. Faut tous les. Putain, ils sont partis loin en plus. Salut les filles. Hein. Oh là là, là. Putain, ils sont. Non, tu... non, sérieusement, ils sont vraiment cachés là-dedans. Mais vous êtes des rats, sérieux. T'es mort! Ah, c'est. Je peux pas monter. Sérieusement, de tous les endroits existants dans le jeu, il fallait que je tombe sur le seul endroit où je peux pas aller. Oh là là, c'est pas vrai. Mais quelle connerie, sérieux, ces bâtiments. Bâtiment en pierre, je peux pas grimper. What the fuck? What the fuck, littéralement. Via di qui! Forza, insieme! Hai fatto male a venire qui! Credi di salvare. J'ai pas le temps pour tes conneries, je veux buter un mec là. Cosa? Osa toccarmi e sarai per sempre maledetto! Ehi, cosa? Eccoti qua! Ehi! Prendi questo, cazzo! Non puoi fuggire! Merda! Abbiamo guai! Vieni qui, vecchio ammazzo! Posso colpire! Ça y est, on est le dernier. Elle sert. Par contre, il va falloir qu'on vide. La lucertola. Il sacerdote che strozza Menfi. Io servo la tradizione egizia. Che però esige un prezzo assai alto. Innocenti mutilati. Bimbi strappati al ventre materno, il gran sacerdote insozzato. Il suo nome era già infangato prima. Le masse sono le grigi degli dèi, condotte dalla frusta del pastore. Sei uno di loro, Ayuk. Sei una pecora! La volontà mi guida. Non la paura. Ah, sì. E chi ti sferza il dorso, allora? Chi ti impone di sporcarti l'anima con il mio sangue? Io ho i miei dèi. Tu affronta i tuoi. C'est triste, on n'aura pas le visage du mec qu'on a cramé. La tua morte porti con sé le maledizioni di Menfi. Devo dirlo agli altri. Spero nella clemenza del Signore della legge. Il sacerdote è innocente. Cosa? Cosa? Bloccatelo! Ehi! Eccoti!
raduno le truppe! Ti uccido! Vieni qui, che ti ammazzo! Fatti ammazzare! È mort! Lo prendo. Posso colpirlo? Sei lì. No. Sei lento. Andiamo le truppe. Il è in train de cramer tout seul, mais Posso colpirlo? Ce l'ho a portata. Alors ça c'est de la triche par contre. Le mec a quasiment pris zéro dégâts, donc il s'est fait cramer. J'écris au complot, hein. Olé. T'en as d'autres comme ça? Animal moisi. Un cadeau sur deux. Bon bah faut trouver le deuxième hein. Bon on va y aller. Je sais pas où il est mais on va essayer de le trouver. Alors. Ah, il y a de la thuniesse là. Il y a de la thuniesse. Oui j'en viens par là, ça sert à rien. Il y aurait pas un trésor là-dedans. Enfin, même si ça m'étonnerait, mais. Non, c'est une grosse sous-marine, ça m'étonnerait. Terminé. Au revoir monsieur. Merci d'être venu. Je ne vous aimais pas. En tout cas, je pense qu'on va aller faire un petit tour sur le toit quand même. Monsieur a vu tout ce qui reste. Il n'y a plus qu'à aller sur le toit pour trouver quelque chose quoi. Attends, je sais pas comment on va y aller. Oh là là. Oh, et sérieusement. Cosa? Prendi questo, cane. Le mec n'entend pas, je passe derrière lui, il m'entend pas en fait. Il est sourd comme un pot. Alors. Il reste un cadeau là-dedans à trouver, hein, quelque part. Un mec qui roupille là, super. Oh punaise, il est en bas, sérieux. Voilà. Eh bien, on a fini la caserne du coup.
Voilà, terminé. Au revoir, monsieur Neb. Proteggiamo il Neb. Levatevi. Ti ammazzo con le mie mani. Mi serve tempo. Devo proseguire. Rammem Heginut. Sebastian Hernik. Devi morire. Mi serve tempo! Devo proseguire! Alles, alles! Ti ammazzo con le mie mani! Vieni qui che ti ammazzo! Cos'è stato? Il a quand même réussi à buter un cheval. Hein. On a du bol, on n'a pas le gros qui est en train de se balader là-haut et le 25 qui est là. Fatevi da parte! Hey, hai bevuto troppo? Che ti fai dans le plein milieu? Mais rien, j'ai juste zigouillé la moitié de votre vie. Hein. Du coup, j'ai pas pris de niveau aussi? Non? Oui? C'est 3 points le char. Ah, c'est Shiro, oui. Je pense qu'au prochain niveau, je vais acheter l'amélioration de l'arme, je pense. Donc je vais dés la moitié de mes objets. Oh ouais. Ok, et juste ça que je vais garder parce que je pense que c'est une bonne arme et j'en ai. J'en sais fichtre rien. Ok, et au niveau des arcs. On a des arcs. Mais qui ne m'intéressent pas. Ils sont nuls à chier. Oh, puissance de l'arc, ça peut être pas mal, c'est vrai. Je pense qu'on va faire ça, puissance de l'arc. Oui, je peux encore l'améliorer, j'ai plein de points, je pense. Oh, pff, oui, d'accord. Mais je vais garder la tuniasse pour la suite quand même. Parce que je sens que je vais en avoir besoin après. Si j'achète l'épaule crocodile. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Bah yeah, hello, hello. Ah merde, je peux pas monter par là. Bon bah, on va descendre là. Désolé mon cheval, je t'abandonne. Hein. Je t'abandonne. Ah, faut que j'aille voir Cléopâtre alors, pas le temps. Quel con. Décidément, j'ai une fâcheuse tendance à buter tout ce qui bouge dans le jeu, c'est incroyable. C'est un vrai problème. Hein. Mia regina, volevano solo proteggere la vita del fratello. Ça c'est fait. La maledizione è spezzata. Tepi. Cosa l'ha spinto a cotale follia? Menfi è di nuovo vostra. Nostra. Ora che la faccenda è sistemata, possiamo preparare la festa di api. Che
Che i demoni si nutrano di Etepi, della sua anima. E spetti anche ai colpevoli della morte di Chemu, lo stesso. Elle scribe, elle scribe tout. Ah! Qui vient de manger le temps? Qui veut se bourrer la gueule avec de l'agneau fraîche? Au nom d'une vache. Au nom d'une vache. D'apte. C'est un peu une vache. Je sais pas si elle va être sacrifiée ou pas celle-là. Techniquement non. Regarde. C'est Cléopâtre. Créo. On va se moquer mais c'est pas non plus physique. C'est pas la... On aurait pu voir de Cléopâtre dans son grand chariot machin. Même si là, il est tout en or, le bordel. Soffro nel lasciarti, ma devo andare da sola. Aia. Farò il mio dovere. E dove ti porterà il dovere? A nord. Darò fuoco al mare. Bien sûr. Foutre le feu à la mer. Io... Sarò sempre con te. C'est drôle. Mettre le feu à la mer, c'est la mission qu'on a vue juste avant. Encore insieme. Ma per ora. Il y a quelques problèmes dans la. Godiamoci questa notte. Dans les textes. Ok. La quête du lézard, terminado. On est où là du coup? Lézardio. Oh, on est loin du coup. Qu'est-ce qu'on fait? Du sang dans l'eau? On retourne buter l'autre machin là-bas. Le bélier. À 25, j'ai toujours pas de niveau. Hein. On va aller chez le tissu parce que là j'ai besoin de tissu. Je peux pas y aller. Wow. Oh punaise, il est juste sur la route. Waouh, c'est la tuile. Là le 28, j'aurais pas l'affronter moi. Wow. Ah c'est bon, il est parti. Je pense qu'on va faire ça, on va améliorer ça, on va chercher les peaux de crocodile. Wow. Ah oui. Hai bisogno di qualcosa di specifico. Si redditui. Ah bah il y en a pas. Oh c'est pas possible. Ah c'est que des... Ah non autant pour moi c'est des peaux rigides seulement. Bien, guarda che bella roba. 225. Pas cher. Chiedi pure cosa ti può servire. En vrai, c'est pas cher du tout, je trouve. Ah, je m'attendais à beaucoup plus cher que ça. Et allez, j'améliore le carco, comme ça c'est réglé, on n'en parle plus. Et on va aller faire un petit tour au fond de Jérôme. Come vanno le cose? Posso aiutarti?
Alors, il y a des armes qu'on peut acheter, ouais. On peut acheter du fer, vous voyez. Du coup, ça permettrait d'améliorer la lame plus tard. Cosa ti serve oggi? Bon, on va améliorer l'arme. C'est 4000 balles. Ah! Ouais, je pensais pas au tarif, moi. Si je le mets en pièce avec. Ouais, mais alors attends, parce que là j'ai pas. Là c'était pas prévu quoi, les tarots. Oh, au secours! On a 564, sachant que j'ai un bouclier 543. Putain, je pensais pas si cher. Mais 4000 balles, c'est plus que ce que j'ai sur moi. En vrai, la tuile, quoi. De toute façon, j'ai zéro blocage avec le bouclier que j'ai, donc autant que j'essaye de... Allez, tant pis. Je la paierai un jour, je vais la payer, celle-là. Je vais vous le garantir. Oh. Et le dessus qu'on veut, il est caché là-bas. On va juste faire un déplacement rapide. Et on va aller le tatouer. Surtout que là, je suis équipé d'une méga hache, donc... Là, normalement, avec... De quoi? Ça va péter, hein. Raté. Putain. Non hai più alcuna speranza. La tua fine è decisa. Una bella sorpresa. Ah, peut-être trouver quelque chose quand même à faire. Par contre, ça va être long. Terminé. Terminado. La chiave con l'occhio di Horus. Eh ben, on l'a eu. Quale porta aprirà? On a buté le prédateur, voilà, terminé. Bien, on a trouvé comment faire. Alors, on va finir tranquillou. Vraiment minou. Je pense qu'on va aller faire une... Qu'est-ce qu'on va faire, vite fait, une toute petite mission. On va aller péter les deux statuettes, celle qui est ici et celle qui est là-haut. Parce que je vais devoir m'absenter. La vidéo doit se terminer. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est dessus et que je sens qu'on est déjà à la fin. Salut! Comme ça, c'est réglé. On a buté la statuette et on n'en parle plus. Hein. Oh.
Ah bah voilà. Et vous savez quoi? On va même finir là. On va regarder ce qu'on peut acheter avec le cheval. Juste par curiosité. Chez le... le vendeur de chevaux. Voyons voir ce qu'il a à nous vendre. Eh ben, on a juste un chariot, tout simplement. C'est nul. J'ai l'impression de me faire arnaquer. Vraiment. Ah, on peut vendre ses montures, c'est drôle, ça. Voilà. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. En tout cas... attends. Ah, non. Bah non, du coup, je veux pas quitter, mais voilà. Et là, on a récupéré une clé. Ok, on a 133 bois. Magnifique. On a une deuxième jarre qui est là. On a trois... on a pas grand-chose hein, quand même. On a parlé des tenues d'hyène qui se vendent bien quand même. 45 quand même, ça vaut le coup. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a. Et c'est tout ce qu'on va pouvoir faire du coup. C'est pas foufou, je m'attendais à mieux en vrai. Bon, il y a juste lui quand même, l'arc qui va... je pense que cet arc pourrait être magnifique hein, quand même. Hein. En plus, on voit, c'est un arc de... c'est... il est différent de celui-ci, donc ça pourrait être pas mal. Et au niveau des monstres butés, voilà. Donc, on a buté le lézard. Donc, résumons les derniers tués, quand même, pour ceux qui n'étaient pas là. Dans les quêtes nouveaux, on a eu déjà l'hippopotame, le héron, l'ibis, le vautour et le bélier. Donc, dans cet ordre-là, hein, hop, l'hippopotame étant tué en dernier. Après, on a buté la hyène en premier qui est Calicette, Taharka le scarabée, et enfin Etepi le lézard. Et il nous reste le crocodile. Voilà la raison de Fayoum. Alors, Fayoum, pour ceux qui se demandent où c'est, ben, j'en ai aucune idée, mais Fayoum c'est là. Il faut être 26 à 29 pour la zone. Voilà, vous en voulez savoir. Donc là, il va falloir quand même que je chope de la thune parce que là, on commence vraiment à atteindre le bout de ce qu'on peut avoir. Et je vois que les missions ont commencé à être rudasses pour être poli. À savoir, on a les écailles de crocodile, le goût de la piqûre qu'il va falloir qu'on fasse aussi, les secrets, machin. Donc il y a encore beaucoup de quêtes, vous voyez. Après, on a des malédictions, machin. Donc, ouais. Il y a encore beaucoup de trucs à faire. Mais bon, on attend au bout. Et puis, ben, on va s'arrêter là. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était une skill. Et puis, pour le prochain numéro. Ciao.